deux. C'est jamais arrivé ça dans l'histoire des vidéos. Il y a trop de trucs. Ça y est, arrête de klaxonner, je vais t'éclater ta grand-mère. On est en train de filmer. Wesh la team AEB, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui la team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Comme vous avez pu voir dans le titre et dans la miniature Adem, nous allons faire une énorme compétition de football pour voir qui c'est qui va être le plus fort entre nous deux. Voilà, aujourd'hui ça va être du football, on va passer un bon moment, ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de sport, ça va nous faire du bien, on est d'accord? Ça fait plus d'un an que j'ai pas touché un ballon. La même chose pour moi, ça date j'ai pas touché un ballon. On va le toucher en vidéo le ballon et on verra ce que ça donne. Moi j'en suis certain que je vais t'éclater. J'ai rien à dire, on verra ça sur le terrain les amis. Ok. La famille pour cette vidéo, 10 000 likes. 10 000 pouces bleus, ça ferait grave plaisir. Il y a des bruits bizarres dans notre ville. Abonnez-vous à la chaîne s'il y a des nouveaux. Activez la cloche des notifications, c'est super important. Oui, sans plus attendre, vous laissez la vidéo. Bon visionnage, c'est parti. Ouais. Famille, là je viens de sortir de la librairie, c'est incroyable ce qui vient de sortir, venez avec moi, je vais tout vous montrer. Du coup la famille, je vous explique, ça vient tout juste de sortir en kiosque et seulement en kiosque, dans la librairie la plus proche de chez vous. Alors on y va. Étant donné que moi et Adem on est grave fan de Fortnite, on en a fait sur la chaîne gaming à l'ancienne, d'ailleurs on va bientôt en refaire, et du coup bah on a voulu vous partager ça, c'est tout simplement des porte-clés, tout le monde a un porte-clés, je vous montre ça tout de suite, regardez, c'est tout simplement à l'intérieur, c'est dans des sachets, vous pouvez les attacher bah justement à vos clés, à vos sacs, vos cartables pour aller à l'école, c'est sympathique, il y a pas mal de figurines Fortnite, des skins peut-être que vous adorez et peut-être moins, justement c'est ça le challenge. A vous de jouer le jeu la famille et peut-être que vous allez avoir la figurine de vos rêves, le skin de vos rêves. Regardez celui-là, il est vraiment sympa. Bah vous savez quoi, attendez je l'ouvre. Ouverture facile, hop. Attendez vite fait, il y a un petit sachet, regardez. Ah ouais, c'est vraiment sympathique hein. Fortnite Figural KA Chance. Bon, moi et l'anglais, ça fait 50. Regardez la petite figurine, elle est vraiment jolie. C'est trop stylé. La vie doit, madame, moi quand j'étais à l'école, au collège, tout ça, j'ai un truc comme ça, je l'attache direct sur mon sac. Moi je l'attache à mon cou. À ton cou? Ouais, j'avais le porte-clés autour ici. Tu mets ça sur ton porte-clés et c'est stylé. Elles sont vraiment pas mal. J'en ai eu une comme ça, j'ai eu de la chance. Regardez la collection, il y a des légendaires, il y a des rares, il y a des épiques, il y a des Uncoin. Je crois que c'est les simples. Mais regardez, je pense qu'on a eu. On a eu une rare. Fish Stick, il est là. Eh oh, j'ai un rare. Si toi aussi tu le veux, vous vous rendez dans un kiosque et vous demandez Fortnite Altaïa pour avoir des figurines porte-clés. Allez, on ouvre la deuxième. Hop, deuxième sachet. Ah bah ça explique la même chose. Hein. Waouh, elle est magnifique, regardez-moi ça, c'est Catwoman. Non, en vrai, attendez, je vais regarder son nom. Ah mais je crois que c'est une légendaire celle-là. Oh, le Lynx, Legendary Lynx. Bah alors là, si je suis pas chanceux, je sais pas ce que c'est hein. Moi ma préférence, c'est pour la légendaire. Logique, c'est une légendaire. Si vous aussi vous voulez tenter d'avoir des légendaires, allez à la librairie, kiosque, près de chez vous, pour avoir des trucs comme ça. C'est sympa, c'est mignon. D'ailleurs Adem, on va faire un petit plouf plouf pour savoir qui va être acquis. Il y en a que deux, on est obligé de se les départager. Ou peut-être que je vais en racheter. Il y a moyen, j'achète toute la collection, regardez. Comme je vous ai dit, légendaire, rare. Il y a le Power, le Luxe, le Black Knight, le Red Knight. Après, en épique, regardez épique, il y a le Beef Boss, il y a le Skull Trooper, il y a le Rock. Vraiment, je suis grave choqué parce qu'il y a pas mal de figurines quand même. Il y a de quoi faire une belle collection. Après, vous n'êtes pas obligé de les mettre sur les porte-clés. Hein. Vous les mettre dans votre chambre en déco, c'est sympa ça. Hein. Vous les posez sur des étagères. La vidéo, je les trouve stylées. Plouf, plouf, une boule en or, c'est toi qui sors au bout de 3, 1, 2, 3. Oh merde, ça sort. Bah du coup, je te donne la rare. J'ai la légendaire. J'ai triché. Bon la famille, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est pas cher, faites-vous plaisir, c'est en librairie, près de chez vous. Et merci en tout cas à la marque Fortnite Altaïa, justement, qui sera disponible dans votre librairie, bah, de nous avoir envoyé ça. Mais je pense que je vais aller en racheter, même pour la petite sœur, ça va lui faire plaisir. Alors Adem, je te propose pour la première compétition, ok ça veut rien dire, pour le premier mini-jeu, je t'ai concocté des jongles, la jonglerie. C'est parti, la jonglerie. Allez, c'est parti, c'est moi qui ouvre le bal. Ne jugez pas, s'il vous plaît, en commentaire. C'est important pour moi. Et puis voilà, quoi. On est là pour s'amuser, passer des bons moments. Même si je sais qu'il y en a, ils aiment pas beaucoup le foot. Il y en a, ils aiment, il y en a, ils aiment pas, c'est normal. Même si vous aimez pas, regardez, passez un bon moment. Mettez-vous sur votre canapé. Et vous pouvez nous terminer, nous incendier en commentaire. Parce que ça fait un an que j'ai pas fait de football. Et à l'ancienne, Adem, même Adem, il sait très bien que c'était qui le plus fort au foot. C'était moi. Arrête, c'est un rageux. Et bah, prouve-le-moi tout de suite, c'est parti. Jonglerie. Vie de ma mère, je recommence. Non, non, non. Voilà, on a deux chances. C'est quoi ça? Cette jongle, j'ai jamais fait ça de ma vie. On a une deuxième chance hein, à chaque fois.
Oh là là. Non. T'es trop naze. De toute façon, un ligament croisé. Tu connais, j'aurais dû être professionnel, mais j'ai arrêté le foot pour YouTube. J'en ai fait, je sais pas. Dites en commentaire, voilà, je sais pas. 33, je crois. Je sais pas, dites en commentaire, en tout cas, c'est sûr, il y aura un gagnant, il y aura un perdant. Vas-y, Adem. Bon, les amis, Bilal, il est vraiment nul, hein. Ah, tu me dégoûtes. C'est parti, regardez-moi ça. Voilà, il va se rater. Avec la sacoche en plus, 3, 2, 1, let's go. A few moments later. Oh, ça y est là, c'est de la triche. Bon bah 60, sans faire de deuxième essai, je t'ai lavé. 60 jongles et toi 30, j'ai gagné. M'en fous, t'es un tricheur. De toute façon, c'est un tricheur. Alors Bilal, je croyais que t'allais me laver, ça commence bien pour toi, hein. Je te laisse gagner, je te laisse prendre de l'avantage, là je vais vous surprendre. Bon du coup, c'est parti, on y va pour le deuxième mini-jeu. Cette fois-ci, j'en suis certainement sûr de gagner. Dites vos pronostics en commentaire, c'est qui va gagner à la toute fin. Bah crossbar challenge pour ceux qui connaissent pas. En combien de barres? 2. On continue dans le 2. Entre toi et moi, celui qui met les deux barres en premier a gagné. On y va. C'est parti. La Gigatazarayosaurus. Bilal qui a un maillot de basket mais qui fait du foot. Je suis un footix. Un basket X. On y va. On place le ballon. Cristiano Ronaldo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hey, il abuse, il fait tout ça alors que la cage elle est juste là. Ça a rien à voir, c'est pas ça le but. Je suis censé mettre des barres. Bon, avec ce qu'il vient de faire, je suis officiellement le gagnant, c'est sûr. Il est trop bête, il joue trop mal. J'ai un deuxième essai. Ouais, mais si je mets les deux barres, j'ai gagné. C'est parti. Perfect. Là, ça me laisse plus le choix. Je suis obligé d'en arriver là. Regardez. Je fais de la bouillie pour mettre un petit cochon. Pour un, pour deux. C'est dégueulasse. Voilà, là, je vais marquer. Je vais mettre la barre. Je m'en bats les reins. T'es nul. Chut, je le savais. Je savais qu'il était nul de toute façon. Il me suffit de mettre juste une barre là et j'ai gagné. Comment tu te sens là? D'attaque pour mettre une barre, mon ref. Mais oui, on y croit tous. Allez, Adem. Regarde-moi ça, mon pote. Une barre et j'ai déjà gagné. Nope. Nul, nul. J'ai un deuxième essai. Adem, il a quelque chose à vous dire. À chaque fois qu'on fait du foot et on se filme en vidéo, on est trop nul. C'était la petite excuse. Logique. Adem et Bilal, vous êtes nuls au foot. C'est normal, on fait une vidéo, on est obligé de se concentrer sur la caméra. Ou sinon, hors caméra, je vous jure, on est nuls. Voilà, on pue la merde au foot. C'est parti. Allez, mon tiramitsu. Nope. Il me suffit de mettre juste une barre là et j'ai gagné. Bon, maintenant, Bilal, ce que je te propose, c'est quitte ou double. Celui qui met la barre, il a gagné. Ok. Perfect. Je suis dégoûté. Je vous cache pas que là, manger un bon tacos, ça m'aurait bien mis mentalement. Mais là, juste de courir et de tirer à la cage, ça me dégoûte. Le sport, c'est pas fait pour moi. Vivons gros et vivons heureux. Vivons gros et vivons heureux. Allez, celle-ci, c'est la bonne. Regardez bien. Regardez bien. Décale, je vais te tirer dessus. Ah! J'y étais presque. Ça fait Zumba Caféo, Caféo. Et ça fait Zumba Caféo, Caféo, Carnaval. Carnaval, je suis dans le 4x4, tente, pisté par la banane, tata pim pam pim pim. Je connais plus les paroles. Bon les amis, la team A qui sont avec moi, mettez... Oui Adem, tu vas le faire, tu vas y arriver. La team A n'existe pas. Je vais te prouver qu'elle existe en mettant cette barre. Non. Mais non, c'est pas possible. On la coûte comme une barre ou pas? Non. Coucou les abonnés, est-ce que vous vous attendez à ce plan? Le plan de face comme ça, il est magnifique. Celle-là, c'est la bonne. Parle pas de la meuf, starfoudallah. Ouais, Bilal, surveille tes propos, tu parles mal et tu dis des gros mots. Ouais, mais c'est bon les abonnés, je suis désolé. C'est vrai que des fois je parle mal, mais j'arrive pas à me contrôler. C'est vrai que sur le coup de l'émotion, je dis n'importe quoi en vidéo. Je sais pas, le fait que cette caméra me regarde, j'ai l'impression d'être... bizarre. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Alors on y va. 3, 2, 3, 1. Sur la vie de ma mère. Sur la vie de ma mère. Oh.
Adem Gigantosaurus Rex. C'est ça qu'il faut. Je suis le vainqueur, je suis le vainqueur. Bon là la famille c'est parti pour la séance de penalty, en espérant que je vais gagner parce que j'ai déjà perdu deux mini-jeux. J'espère que c'est pour moi cette fois-ci, on y va. Bon c'est parti, Adem il est au goal, on a deux chances, enfin on doit tirer deux fois. Si sur les deux fois je marque et lui il rate une fois, bah j'ai gagné, c'est simple, on y va. Let's go. Simple, efficace on t'a dit. Je fous trop le seum. Bon la famille c'est à mon tour de tirer, en tant que légende je dois pas rater ça, c'est parti. Que golasso, golasso. Alors, c'est qui la légende? Un partout. J'ai failli l'avoir. Perfect. C'est parti, on y va pour ma deuxième frappe. J'ai tout à fait confiance en moi. Bah regardez, hein, j'ai envie de dire. Y'a un mec là-bas, wesh. Il est où? Oh mais c'est trop facile le football. Non, calme-toi, calme-toi. Alors Adem? Il est nul votre pote. J'en ai marre de bavarder. Je vais marquer, c'est tout. Point. Alors, ah, ça c'est un pétard mon pote. Missile, missile solaire. Étant donné que je suis pas gardien, c'est de la triche. Il tire fort et moi je tire pas fort. Pour la peine, je veux tirer fort. Là, je vais mettre toute ma puissance, regardez. C'est une technique. Je marque, j'ai gagné. J'ai mis une transversale. De toute façon, je m'en bats les reins, la vie de ma mère. Dites en commentaire s'il vous plaît que c'est moi qui a gagné. Genre, on le prank, on va le pranker. Dites en commentaire c'est Bidel le plus fort au foot, s'il vous plaît. Je compte sur vous, la team B. La team A et B, elle n'existe pas, la team B. Bon, la team A, on sait tous que c'est moi qui va gagner en vous montrant ce magnifique but. Allez, muchacho. J'ai gagné. Oui. Ah, il l'a quand même touché, mais j'ai marqué parce que j'ai mis trop de force. T'es lourd. Gros larve. Coupé. Bon c'est vrai que j'ai pas réussi à mettre la balle au fond des filets. J'ai perdu peut-être le combat mais la guerre n'est pas gagnée. On va peut-être la gagner cette bataille si la bataille de la guerre. Bref en tout cas je pense qu'on va travailler. Je vais travailler l'entraînement et on va revenir plus fort l'année prochaine. Et comme on dit, le meilleur vainqueur c'est celui qui gagne, qui va attraper le ballon. Nique sa mère, coupe. Kelin qısqa söz kim oqiyt tez. Arqada altar qar bar, qırqada qırqar qar bar, qırqar qarda ağar qar bar, altar qarda. Petite démonstration. Là, ta grand-mère. La vie de ma mère. Ma mère! Mais wesh, qu'est-ce qui m'arrive? Non, regardez, sérieusement. Kobe Parker! J'ai mélangé deux basketteurs. Qui? Ah, c'est vrai, il est mort il y a pas longtemps. Bon, rip, force à lui et toutes mes condoléances, c'est un grand joueur. Bref, on y va. Eh, hey, lancer franc, c'est là en fait. Non, mais là, c'est un test! Mais la vie de ma mère, je suis trop nul dans cette vidéo! Voilà. Théo, réception. On y va, premier lancé. Tiens, jeune homme, je joue fair play. Allez, James. C'est qui lui? Attends. C'est qui ce joueur en commentaire, s'il vous plaît? C'est James Bond. Comment il s'appelle, sérieux? James Rodriguez. Tu connais le joueur qu'il a derrière son dos? Tout le monde connaît. C'est qui, James? Ah oui, LeBron James, c'est moi ma gueule, Ria. Ouais, mais... Allez, biberon, James. T'as raté, là? Toi aussi. Ne faites jamais du basket avec le pied. Je l'ai fait, qu'est-ce que tu vas faire? Ça, c'était les professeurs. Non. Tu touches pas le pied avec le ballon de basket. Zahma, si je fais ça, genre, elle va avoir une bosse. Le ballon de basket, il va gonfler. Genre, je lui fais un bleu. N'importe quoi. S'il y a un prof qui regarde cette vidéo, sur la vie de ma mère, je vais rien faire du tout et je veux jouer. Let's go. Ça, c'est pour toutes les femmes qui me regardent. Après ce but, vous venez à la maison, prends un café, on y va. Ça va venir, il faut de la persévérance et de la patience dans la vie ou sinon on n'arrive à rien. Allez, donne-moi la caméra, vas-y. Allez Adem, allez. Magnifique, ça se voit que tu l'as payé cher. Eh bien non, figurez-vous les amis que je l'ai trouvé. Je m'en bats les couilles, raconte pas ta vie aux abonnés, tu l'as payé combien en vrai? Bah non, je m'en fous, mais vas-y. Bah non, tu t'en fous. Non mais sérieux. Non. Sérieux? Non, tu m'as blessé. Attendez, Thanos, Tétigno, il est chaud là. Ah
presque, hein. Ah, Fernandez. Allez, Adem. Attends, l'honneur. Oh, il est chaud, là, il est chaud. Hop. Il était nul, à moi. Regardez qui voilà. Coucou. C'est Lomar, allez vous abonner. C'est quoi comme vidéo, là? Je sais pas. C'est une vidéo pour la chaîne secondaire. Faites du basket? Un peu de tout. Tu peux me mêler à la fête? Allez, viens. Coucou, toi, là-bas. Bon, là, on vous présente le grand et l'unique Nassim de la chaîne Nassim et Nadir. De toute façon, les deux chaînes seront en description. Vas-y, venez, venez vous joindre à nous. Et puis voilà, quoi. Ah, regardez, il a raison. Il a raison. On sait pas ce qui peut arriver. On a tout peut-être le... 18. Non, faut pas le dire. Ah, le 18. Le 18. Perfect. Bon, la famille, c'est la dernière pour la route. On la gagne. Enfin, je la gagne. Après, on n'en parle plus. On y va. Nope. Voilà, je recommence. Adem, laisse-moi gagner. C'est bon, t'as déjà assez gagné de trucs. Voilà. Ah, attends, je la refais. Ça va venir, hein, il faut juste patienter. Non, attends, dernier. Mais Marc, concentre-toi. Non, les abonnés, s'il vous plaît, vous avez rien vu. Hop. Attends, c'est bon. Concentration. La vie de ma mère. Eh, voilà, c'est les yeux des gens, ça. Ça déconcentre. Voilà. À l'école, on nous disait tout le temps, visez le carré. Ok, on va voir si c'est de la gaze. Je l'ai pas visé, ouais. Vous avez raison, j'ai visé le carré, j'ai gagné. Bon la famille, on va s'arrêter là, parce qu'en fait il n'y a plus d'espace dans la caméra, donc on va s'arrêter là tout simplement. Maximum de pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis voilà, c'était une vidéo un petit peu bâclée, on va pas se mentir. On s'est bien amusé, c'est le principal, j'espère que vous avez kiffé. Bah on va se laisser là, c'était Adem et Bilal, salam la famille.